Mais alors là, mais les speeders, cette mission, vous allez voir les textures de la neige, mais c'est comme la première fois qu'on voyait du le nouveau Battlefront, quoi, genre en mode genre, mais c'est fou, on dirait le film. Là, c'est quand tu voyais ça, tu savais même pas que t'avais le droit d'y jouer, t'osais même pas bouger la manette. Il y a même le Millennium Condor. En fait, la basse résolution cachait vachement la misère de qu'il pouvait y avoir en termes de... Parce qu'il y a l'anti-aliasing sur le jeu. Mais la basse résolution cachait le rendu de certaines ombres et tout. Mais par contre, je dois avouer que je ne peux pas, décemment pas, recommander cet adaptateur Peritel. Il fait le café pour un stream, mais moi je sais très bien que... En progressif, la console... Genre j'ai un câble RGB, hein, c'est pas un câble coaxial. Hein. Et en fait là il me remet une qualité coaxiale quoi, j'ai pas une belle qualité. On est ça, saloperie ! Eh bien... Take out those cannons ! Alors les mecs font rien, hein. Ils font jamais rien en vrai. Hein. Mais alors là, mais putain, mais t'en pouvais tellement plus. Regardez le reflet sur la neige, non mais c'est des fous ! Mais c'était dingo ! Alors d'abord c'est les petits walkers. Putain, je fais de la merde. Bah, par contre, au bout d'un moment, il faut mourir, quoi. Allez, merci. Les droïdes sont, quoi. Attends, faut que je passe par derrière, parce que c'est pas possible. J'ai l'impression qu'ils explosent vite parce que dans mes souvenirs ils étaient assez incroyables, mais j'étais peut-être juste très mauvais. Oh! Allez en formation. Et défendez-vous, petits bonshommes, même si ça sert à rien dans le jeu. Je sais, je crois qu'il en faut en tuer encore quelques-uns. Il y a celui-là là-bas. Alors on a réussi à se cogner comme deux gros niais. Voilà, il n'y a plus de walker là, il n'y a plus que des bonshommes là. Mais qu'est-ce que vous faites? Genre quand vous êtes en formation, vous êtes encore plus teubé qu'avant. Les mecs ils tirent une fois tous les 1000 ans. Ah! Allez. Putain. Mais alors attention parce que là, on va rire quand il va falloir faire tomber les walkers. Hein. Défendez-vous. Il y a des impériaux walkers qui arrivent par le nord. Mais il n'y a pas une autre cutscene ici, voilà. Se disputent les frags. Formation Delta, ça marche pas bien. Ah par contre la partie avec le câble, au secours quoi. C'était à se tuer quoi. Mais le truc hein, c'est que vous prenez d'autres jeux consoles de 2001, il y en a aucun qui fait le café comme ça. Il y en a aucun qui ressemble à ça. Et j'ai même envie de dire sur PC hein, parce que certes, tu vois, enfin... Ah putain, genre c'est dur. Hein. Vraiment, en termes de technologie, de texture et tout, quoi, le jeu est vraiment très très en avance. Hein. Même, j'ai même envie de dire, même sur PC, même s'il y a, il y a forcément un contre-exemple sur PC, mais je vous assure que le jeu est très très loin. Hein. Si vous regardez bien les détails, on est sur du bon, quoi. Ah, même GS2, il y a plein de vieux postes FX qui ont vachement vieilli, comme du Bloom, etc. Il n'y a pas une seule texture qui rend comme la neige ou les reflets de ce que t'as là-dedans. Hein. Ou même avec autant de polygones à l'écran. Quoi.
En termes de techno, on est très très loin. C'est bon, on peut jouer ou pas? Je joue Wedge. Alors, attention, c'est parti. Je dis à mes potes de se barrer. Et là, là, tout est dans le dosage. Là, tout est dans le dosage, tout est dans le dosage, tout est dans le dosage. Tu peux tirer pour faire encore plus de reflets. La caméra n'aide tellement pas. Je me suis crashé un million de fois, mais je pense qu'aujourd'hui c'est dans mon... It's in my DNA. Parce que tous ceux qui ont fait cette mission savent qu'on est sur quelque chose d'affreux, quoi. Je sais même pas si on peut les exploser en fait. Enfin certainement, mais... Allez, on fonce. Je sais plus combien il faut en faire. Je sais plus combien il faut en faire, mais je crois 4 ou 5. C'est tellement dur. C'est tellement... Tellement doux. Mais regardez, regardez un peu la texture de la neige par terre, vous allez halluciner. Vous allez faire... Ah putain, ouais, quand même. Non, ça fait le café. Hein. Moi je trouve quand même que le jeu a encore mieux vieilli que Halo 1. Sur... Putain! Et vous avez vu ça? Comment ça tient à rien? Wouah, merci Antoine Daniel Live. Oh, merci beaucoup. Des bisous ma poule. Nous sommes effectivement au paradis vu qu'on joue sur Rock Squadron. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. C'est tellement dur, bordel. Moi qui suis pourtant connu pour mon doigté. Antoine Daniel pourra en attester. Non, ils vont gagner. Regardez, ça ne suffisait pas. J'ai pas tué assez de Walker. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon. J'ai une crise cardiaque. Parce que la mission ne se termine jamais. Alors que pourtant... ces ennemis ne servent à rien. Alors que pourtant, t'étais censé... Enfin, tu perdais toutes tes vies sur le truc. Hein. Regardez ça, mais il y a de l'anti-aliasing en crise. Regardez ça, vous voyez des aliasing là, vous? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu là dans le fond, mais alors... Le rendu est quand même relativement doux, quoi. Et attention, on reprend le X-Wing. Ouais, je me souviens maintenant que c'était scripté, mais genre, je sais plus à quoi ressemble la cinématique quand t'as pas fait assez vite. Et voilà, et maintenant, clac. Je me souviens que ça avait vachement impressionné le fait que les vaisseaux en fait décollent vraiment en même temps et tout quoi, genre c'est hyper vivant quoi. Les bombardiers, les bombardiers, les bombardiers, les bombardiers. Non mais au bout d'un moment. Au bout d'un moment, pète leur gueule. Tapez les petits, tapez les petits! Je fais une crise de taper les petits. Allez, bordel, putain, c'est tellement chiant de réajuster au joystick. Comment tu veux avoir une bonne précision? Merci Terulien. T'es très balèze. Allez, allez, allez. Je vais pas me faire enculer par la fin de cette mission quoi.
tirer sur ces TIE Fighters. Il y en a plus, mais tirez-leur dessus. Lui! Putain, le mec joue tout seul. Non! Regardez, c'est trop horrible! J'ai tué beaucoup plus d'ennemis que prévu. Je suis à peine plus précis que prévu. Je n'ai perdu que 30 alliés. Je n'ai perdu qu'une vie. Je n'ai pas du tout utilisé l'aide à la visée. Et pourtant, à cause de 30 secondes, je suis dans le cul. Je suis dans mon cul. Ah, la prison, elle est nulle. Voilà, et tu quoi? Du coup, il faut 20 points. Il faut 20 points pour jouer le Faucon Millennium pendant Yavin. 20 points, on en a 6. Tu es le cul. Je suis le cul. Allez, c'est parti pour une mission bombardier, on va s'emmerder. Ces petites lumières dynamiques sur les réacteurs. Et effectivement, parce que de toute façon c'est simple, hein. Là où la PS2 a mis un petit moment à nous convaincre qu'elle faisait mieux qu'une Dreamcast, la GameCube c'est Day One. Alors qu'elle coûtait rien, elle coûtait que 200 balles à la sortie. Ah oui, je me souviens de cette mission par contre. Si, en fait, le début de cette mission est stylé. Merci Terulien. Peut-on dire que les cheminots ont des RTGV? RTTGV. Bravo. Regardez-moi la complexité de cette scène. Moi je veux un Digital Foundry rétro sur ça. Sur ce jeu. Wouh! Sensor reading. Might be Imperial. Stay alert and watch out for fighter patrols. Copy, Rogue Leader. Oui, en fait, c'est vrai que tu pouvais jouer comme ça. Donc là, si tu aimes mourir, bah t'avais plus près et t'avais moins près. On va rester comme ça. Après, bon, c'est que tu pouvais bouger la tête dans le cockpit. Regardez, c'est Star Citizen, je vous l'avais dit. Y a des méchants. Putain, mais il est injouable, Y-Wing. Contre des intercepteurs, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je me souviens que la mission, il t'en balance tellement plein. Tellement plein. Mais en fait, il me semble que cette mission, hein, le but, c'est juste de... Je freine. Il me semble que cette mission, le seul but, c'est... Alors je sais plus ce qu'il faut faire avec ces putains de saucisses, mais il me semble que le but c'est d'abord de pénétrer sur la planète, quoi. Pas tant de chasser les tailles que ça. Mais j'ai pas écouté. Tuez-les un petit peu. Mais regardez-moi ces blasters merdiques que j'ai, quoi. Voilà, il faut détruire 3 projecteurs de shield. Ah, vous voyez là, on voit les shields là-bas. Donc c'est bien que le but, c'est pas de se battre contre les tailles.
pour ça qu'ils courent partout, qu'il y en a plein. Là, j'ai le pied sur les thrusters. D'ailleurs, je crois que les bombes, elles sont vraiment... en termes de munitions, c'est pas très clair. Tu vois, tu es un générateur de boucliers. Oui. Puis-je te tuer? Non mais là, c'est sûr que ça te touche. C'est sûr que ça te touche. Ou alors il faut... Putain, ils m'ont tué! Il me semble que c'est pas avec les bombes, hein. Non, il me semble que les bombes, c'est pour après, hein. Pff, qu'est-ce que c'est que ça? Les bombes, qu'est-ce que tu veux que je mette des bombes par terre dans un monde où il n'y a pas de... Mais merde! Mais attends, mais je comprends pas pourquoi elle se désactive pas. Comment tu veux que je jette des bombes par terre? Ou alors faut passer de l'autre côté. Ah non, oui, avec le canon à ion quand tu charges. Putain, oui, d'accord. Attendez, alors là... Sauf que maintenant, en fait, je suis tellement au bord de la map qu'il veut plus que je joue. Merde. Faut charger le tir. En fait, faut charger B. Oh là là, merde. Oh putain. C'est de la merde. Bravo, tu es nul. Merci Terrilien. Comment comprendre peut-on dire qu'il est une réélection? D'accord, ok. D'accord Terrilien. Non mais là je savais plus, j'étais perdu. Je me souviens tellement que des bombes à protons quoi. Let's go. Normalement tu peux le faire rapidement en fait cette mission. Putain mais en fait on avait vachement dévié parce que tu vois les grandes saucisses on les voit là. Et quel est votre Star Wars? Star Wars. Merci Mister MV qui se reprend un abonnement. Mais merde. On est sur une authentique GameCube. J'ai pris un authentique astéroïde dans la gueule. Quel est votre Star Wars? Votre Star Wars, on s'en fout, il répète chat. En vrai, moi, c'est les Ewoks 2, hein, vous le savez. Alors, en fait, voilà, j'ai des Fighters au cul. Et vu que j'ai mangé mexicain, j'ai d'autres soucis. Attends. Voilà, et là, j'ai perdu. Ah, c'est bon. Oh là là, mais qu'est-ce qui... Regardez ça, genre le jeu, vous croyez pas qu'il y a quand même un surplus de violence? Ça va aller, oui. Qu'est-ce qui se passe? Le truc veut pas passer devant quand tu freines. Moi je veux faire ma putain de vie. Je leur dis, allez-y, tue les TIE Fighters. Ils en ont rien à foutre. Ah
En tout cas, je sais pas ce que vaut Mario Tennis, Mister MV, j'ai vu que tu l'avais testé. Allez! Le truc de bouclier devrait apparaître. Le truc de bouclier, voilà, il apparaît là. Vous avez vu comment il est caché? Vous le voyez là? Vous voyez là les losanges? Putain, c'est hyper, hyper. Par contre, il y a les vrais transports impériaux et ça, c'est trop beau. Bon, là, cette fois, pas de merde, pas de conneries. Sauf quand le wifi fait nimp. D'accord, ok. Bah je ne l'achèterai pas de toute façon parce que j'aime pas Mario Tennis de base. Alors là... Oh putain, c'est balèze. Merci Greg. Alors je ne peux pas lire ton message d'ici. Allez, encore un. Oui, allez, Chico, mets la gomme. Allez, Chico. Non, le Millennium Condor, ça meurt la pute. Non, regardez, j'ai gagné, on est mort. Merci, Sorda. Voilà, regardez. Superbe, quand même. C'est pas du tout de la merde. Voilà, et là la mission va pouvoir commencer. Nom d'un Millennium Condor. Il y a luminosité, s'il vous plaît. Oh, cette mission est très longue. Alors, si vous avez une loupe, vous pourrez voir des gens se balader sur le monorail. Genre les mecs ils ont mis des ennemis là dans ce bordel. Avec les AT-AT. Et oui on peut dire AT-AT parce que les publicités de l'époque disaient AT-AT. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Hop. Non mais ils étaient... C'est injouable. Oh mon dieu. Au secours, je déteste les Grey Wing. Regardez ça, vous trouvez qu'il y a assez de tirs? Oh non! Oh mon dieu! Mais non, mais ça suffit! Faut t'appuyer ça sur les boucliers déflecteurs, Chico! Je ne sais même pas ce que j'ai fait! Oh! Oh là là! Là, ça n'a pas détruit un au moins? Au moins un! Oh putain, c'est balèze! Merci, dire chocolatine! J'en ai détruit un. Ah, depuis tout à l'heure, en fait, j'en ai détruit zéro. Allez, il y en a plus que quelques-uns. Papa. Merci Captain Antilles, je suis vraiment très heureux de voir que vous l'avez pu... Regardez, vous voyez, il y a un petit train. Oui, transmettez-moi des targeting informations. Une très cossu, Y-Wing. Oh là là. Par contre, tu pouvais faire ça, et ça, c'était quand même stylé. Non, mais le jeu te le rendait bien quand tu donnais de l'amour, quoi. Mais en fait, dans cette mission-là, je sais pas comment tu fais sans mourir. Vu que, Ah oui, parce qu'en plus, c'est des TIE Fighters. C'est genre, parce que déjà, la mission était pas assez galère. Les trucs me pourrissaient pas assez la gueule. Non mais non, mon dieu, mais qui c'est... La caméra poursuite qui pète un câble. Non mais non. Attention, le communication relay. Le but de la mission, ulti sur le parquet. Oui, c'est pour moi. Lâcher son ulti sur le parquet, c'est pour bébé.
Mais putain, c'est ça le communication relay? Est-ce que c'est toi? Et tu... Non, visiblement c'était pas ça la mission. Je regarde ma boussole, hein, avec grande attention. Ah non, c'est ce gros bordel là. Je crois que c'est ça le relais. Je crois qu'il n'y a rien de pire que les missions d'escorte sont mieux que les missions de bombardement. Par contre, j'ai oublié la mission sur Bespin qui était totalement folle. Quoi? Là, c'est pas fait? Oh, Sorda, on... Ça veut rien dire! D'accord, ils ont besoin encore d'autre chose. Il y a un hangar. Non mais l'intercepteur, je fais quoi? Ah, par contre, la mission dans la Cité des Nuages était extrêmement dure. Hein. Mais tu pouvais récupérer une voiture de la Cité des Nuages, et ça, c'était fou. Oh, donc moi j'adore, hein, l'univers étendu, hein, mais là les planètes de No Man's Sky, c'est pour Atomium, quoi. D'ailleurs regarde la dernière vidéo d'Atomium où il se pose la question sur un jeu qui est fait par un gars qui a beaucoup de talent. Atomium, quelqu'un qui a énormément de talent également. Là faut que je fasse quoi avec ça? Bonjour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui se passe? Tous les objectifs et escorter le train. Et là, c'est quoi l'objectif? Oh, Squadron, on a besoin d'aide! Ces putains de développeurs ont mis 12 tourelles! Vous trouvez pas qu'il y a assez de tourelles? Regardez, là il m'en manque. Il me reste que 3 bombes! Allez, on les garde. Maintenant il faut tenir un peu plus longtemps et donc pas mourir! Voilà, il faut les empêcher en fait de détruire ce truc impérial que j'ai laissé se décoller sans faire gaffe. Non mais allez, mais... Empêchez-les de tirer dessus, je sais pas comment. Arrêtez. Arrête. Rendez-moi mon curseur. Regardez, je peux rien faire. Je suis en caméra de poursuite, je ne peux rien faire. Envole-toi. Envole-toi! Voilà, ils ont gagné! Ils ont gagné! Oui, cassez-vous! Ah, les bombes se rechargent! Ah oui, d'accord. Mais en fait, moi, quand j'ai. À l'époque, je me suicidais. Je n'ai pas tué assez d'ennemis, sinon j'aurais une sinon j'aurais une médaille. Le jeu est pas du tout chiant. C'est comme un examen de permis de conduire, quoi. Genre t'as fait, il y a un seul truc où ça va pas, c'est pas de contrôle technique. €100 l'abonnement PayPal de mine. Merci la GameCube. Ah, tu fais le marathon des VOD Dark Souls 1. Ah ouais. Mais attends que ce soit fini, on a bientôt fini là. Il y a une trentaine d'épisodes. Ça y est, on a le droit d'enfourcher un B-Wing. Mais avoir toutes les médailles d'or, hein, faut juste être masochiste. Hein. Déjà la mission finale. Je sais plus combien de try j'ai fait, mais Dark Souls à côté c'est que d'avant. Par contre ça y est, on a enfin le B-Wing qu'on peut piloter. C'est une tuerie intersidérale. Cette mission j'y croyais pas.
Je me disais, le jeu ne fait que... En fait, ça valait le coup de se faire la mission d'avant, parce que là, cette mission-là... Elle est tellement dure, mais en même temps, elle est tellement bien. À l'époque, t'y croyais pas. Juste la taille mirobolante de ce truc. Et puis le B-Wing, grosse grosse classe. B-Wing hein, qu'on avait vu sur, qu'on voit dans les films, sur la planète lors de la bataille d'Endor. Mais regardez-moi cette purée. Merci Daft Prod. A des bisous mec. Voilà, là j'ai donné tout ce que j'avais en termes de torpilles. Au bout d'un moment, est-ce que ça va suffire? Oh, putain, c'est pas l'air. Merci Jackie Michel. Au bout d'un moment, j'aimerais juste une fenêtre de tir, mais c'est pas possible, ça n'existe pas dans ce jeu. Regardez-moi ce bordel. Non, non, mais en fait, c'est que si t'es pas en formation de combat, tu ne peux rien. Voilà, là j'ai détruit un bouclier. Je veux juste être aligné. Ah, ça l'a pas détruit. Merci, cœur spiral. Oh là là, 100 euros, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Allez, voilà. Là, on a détruit un bouclier. Un bouclier. Enfin, deux boucliers. Le troisième bouclier, bien sûr, il est placé au pire endroit. C'est-à-dire en dessous. Là, c'est ça, le bouclier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer dedans parce que là, j'en ai marre. Mais non! Ah! Suis-je bête? Faut d'abord protéger la frégate. Faut d'abord protéger la frégate. J'avais oublié. Et ensuite tu peux le tuer. Dans ma tête c'est... Voilà. D'abord la frégate. Ensuite les générateurs. Et ensuite... Le pont de commandement. Vous savez, vous souvenez dans Star Wars, dans le Retour du Jedi, à un moment, il y a un A-Wing qui fait le kamikaze dans le contrôle deck du Destroyer, et c'est ça qui le détruit. Et bien du coup, là d'abord, faut faire la même chose, mais pas forcément le kamikaze. Donc là, en fait, il faut juste laisser venir un million de... Oh putain, c'est balèze. TIE Fighter, merci Disney Fox. Oh là là, mais de loin, il t'arrose tellement. La difficulté de cette mission. Ah, par contre, en termes de puissance de feu, il se pose vraiment là, quoi. Si t'arrives à distinguer... Regarde, là on voit rien. Genre faut les éclairer quoi. Ce que je veux c'est un mode HD puis des phares aussi. Tu dis vous qu'à l'époque hein, moi j'y jouais sur une télé 55 cm et encore j'avais de la chance. Il y en a beaucoup. Non, mais le jeu par contre est encore tellement beau. À un moment, il va faire genre c'est bon. Le truc, c'est que j'ai peur de coller trop la frégate et de m'accrocher. Mais détruisez les tailles! Arrêtez de mourir, c'est tout! C'est ça mon ordre! C'est un harang. C'est un harang, voilà! Mais vous croyez qu'il en faut combien? Merci, Fatal Smith. Patapif patapouf. Oh putain, c'est balèze. Merci Staline pour le goulag.
Parce que voilà, il faut garder en tête que là, quand je suis en mode de combat avec le B-Wing, j'ai une grosse queue qui traîne par terre. C'est bon là? Non mais toi! Oh, j'ai gaspillé une torpille, putain. C'est bon là! Feu vert! Putain mais... Ah, il y avait un truc qui était torpillonné quoi. Il était protonisé. Oui? Voilà. Non, non, tu vois, il faut pas faire les deux. Il faut vraiment... Un moment, il dit, c'est bon, vas-y. Va faire du café. Là, je fonce comme un putain de perdu. Et là... Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais explose, bordel! J'ai tiré 11 grenades. Le truc a pas voulu mourir. Et en plus quand je vais essayer de me suicider, ça fait ponk. Le bonk. Non mais là j'en ai foutu la moitié sur les à côté de la cuvette, c'est possible. Merci Zambla. Mais c'est impossible! Oh, mais comment c'est devenu si dur, bordel! Mais bordel, mais pourquoi? Mais on peut pas commencer par celui du dessous! Je sais pas où j'en suis. Ah oui d'accord, je me suis retrouvé là, putain, j'avais plus du tout le... Non mais c'est très dur. Ah oui, le suicide du A-Wing, c'est sur un super destroyer, effectivement. Oh! Merci Neotendar. En formation, servez-moi de bouclier, quoi, parce que... Ah, cette mission m'a tellement cassé les couilles quand j'étais gosse. Oh mon dieu. Là, vous pouvez tirer dessus, s'il vous plaît? Vous avez pas des torpilles, vous? Oh! Et ça l'a même pas détruit. Allez, en formation. Allez. Mais bordel, on voit rien. Non mais... Mais j'essaie de freiner, mais le truc c'est que ça me... Je prends tellement cher et là je n'ai plus de vie. Oh putain. Alors là les amis, ça va se jouer à très peu de choses. Hein. Je suis pas mort parce que la cutscene s'est déclenchée. C'est du génie. Oui.
Merci, je suis un homme en colère. Comment tu fais pour le faire en 4 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Non mais le jeu était barjo. Hein. Genre, en plus, tu peux détruire que 10 ennemis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux détruire 10 tailles et puis aller au casse-pipe. Et tu peux perdre 4 alliés, quoi. Comment ça arrive? Ça n'a pas de sens, ce scaling. Pensa est live.